l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Nous vous rappelons qu'il est interdit. J'étais pas sûre de te revoir un jour. Ça fait si longtemps. Alors, je sais que t'es déçue qu'elle ne soit pas venue à l'aéroport. Mais bon, je lui ai donné l'heure de ton arrivée. La dernière fois qu'elle a appelé, je lui ai donné tous les détails. Mais bon, ça n'est pas facile. Ça, raconte-moi. Qu'est-ce que t'as fait tout ce temps? Tu ne me dis rien dans tes lettres. J'ai ouvert une galerie d'art à Genève. Ouais, et Tristan? Ça va. Toujours aussi bavarde à ce que je vois. Bon, mais t'es sûre que tu veux pas venir à la maison? Il y a de la place? Non, merci, ça va aller. Bon, je suis pas sûre que le studio de Jean soit très bien rangé, je te préviens. Donc ça fera l'affaire pour quelques jours. C'est parfait. Ce sera plus chaleureux qu'à l'hôtel. Quoi? Est-ce qu'elle me ressemble? Elle a mon visage? Plutôt le sien. T'as pas vu dans les dernières photos? Pendant toutes ces années, j'ai pas regardé une seule de tes photos, jamais. Rachel. Je les ai gardées. Je croyais que le fait de pas connaître son visage, ça me protégeait. Je croyais que de pas la voir, elle me manquerait pas. Enfin, c'est ce que je pensais. Je cherche Sarah, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que je peux la voir? Elle n'est pas là. Je peux lui laisser un message? Oui. Est-ce que je peux vous laisser ma carte? Il y a mon portable dessus, dites-lui de m'appeler, c'est important. Rachel Fischer, et vous êtes qui? Dites simplement Rachel, elle comprendra. Moi, je lui dirai. Enfin, si je la vois, je lui dirai. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça fait 2 jours qu'elle donne pas de nouvelles, donc je lui dirai si je la vois. Au revoir. Oui, chérie, c'est moi. J'ai beaucoup de mal à te joindre. En ce moment, je tombe toujours sur le répondeur. Enfin, bon écoute, je rentre plutôt que prévu. J'arrive par cet après-midi, par le vol de 15h. Voilà, on se retrouve comme d'habitude à la sortie du terminal F, face à l'entrée, d'accord? J'ai hâte de rentrer, d'être là. Je m'appelle Anna. Je suis la nièce de Tristan.
dessert. Merci. Pourquoi ne m'avez-vous pas mis d'ananas? Parce que vous avez toujours détesté ça. Mais comment vous savez? Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi? Toujours d'accord pour le film ce soir? Oui. Tu veux que je t'aime? Non, merci. Sarah? Et pour ce soir, vous choisirez le film, hein? C'est vous qui choisissez. Ma mère est morte quand j'avais 11 ans. À un accident de voiture. Elle a mis 3 jours à mourir. Quelle horreur. Et mon père, ça a été plus rapide. On l'a retrouvé dans la salle de bain avec un tube de cachet. Pardon, comment? Bah oui, il l'a mis trop. Il n'a pas supporté qu'elle s'en aille. Aux dernières nouvelles, mon frère se porte très bien. Non, mais je parle de l'autre, celui qui m'a élevée. Excusez-moi, j'ai froid. Je vais chercher ma veste. Je reviens. Qu'est-ce que tu cherches ici? J'aime ma femme, je la quitterai jamais, tu le sais. Pourquoi tu restes? Parce que je t'aime comme une folle, tu comprends vraiment rien, toi. Écoute, moi je t'aime pas. Je t'ai jamais aimé, je t'aimerai jamais. Alors va-t'en, Anna. Church over the sea. I guess you've got something.